Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo des nouveautés de la semaine, donc la vidéo du lundi où je vous présente les articles que je vais mettre en ligne normalement aujourd'hui et demain peut-être. Aujourd'hui c'est une semaine un petit peu spéciale qui commence car c'est la dernière semaine pour recevoir vos produits, votre commande à temps, donc il reste quelques jours. Du coup je vais en priorité envoyer vos colis pour qu'ils partent très très vite et qu'ils arrivent très vite chez vous, donc pour Noël. De ce fait, eh bien, je vais mettre les nouveautés après avoir préparé et envoyé les commandes le plus rapidement possible. Du coup, les nouveautés risquent d'être pas mal en retard sur le shop, mais de toute manière, je ferai en sorte de les mettre sur la boutique cette semaine. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter parce que, encore une fois, comme je vais jouer la carte de la sagesse, de la priorité, je vais envoyer surtout les commandes. Donc j'ai décidé de pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme toutes les autres semaines et de vous proposer peu d'articles, mais que je sois certaine de pouvoir vous mettre sur le shop dans les jours qui viennent. Donc on va commencer par un petit cadeau que j'ai reçu la semaine passée d'un fournisseur d'une marque qui est en fait la marque des tournevis. Et au début, j'ai pas du tout compris à quoi ça pouvait servir. Donc j'ai reçu plein de petits sachets comme ça, donc dans lesquels se trouve un bonnet de Père Noël et une écharpe rouge avec des pompons. Alors je reçois ça et je me dis ouais, enfin je voyais pas du tout à quoi ça servait. Je me suis dit bon bah tant pis, je vais les mettre dans les commandes, on me les a offerts donc je vais les mettre dans les commandes. Et justement dans la première commande où je mets un petit sachet, il y avait un tournevis hibou et là ça fait tilt et je me suis dit mais oui c'est pour décorer en fait les tournevis. Donc c'est tout simple, pour toutes les commandes qui contiendront donc un tournevis, que ça soit le modèle ours, hibou ou pingouin, donc on a sur la boutique, vous recevrez un set pour décorer votre tournevis. Donc voilà le modèle pingouin, trop mignon. Trop 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 chou. Voilà, un petit cadeau de la marque. Vraiment super chou. Voilà, et normalement du coup ça convient à tous les tournevis, forcément. Tous les tournevis de la marque. Alors ensuite, commençons par la présentation des nouveautés tout de suite avec un nouveau produit OHK. Il s'agit d'un set cadeau. C'est un kit de manicure dans lequel se trouve un vernis transparent, une lime à ongles, un ciseau pour les ongles, un polissoir et un repousse cuticule. Donc un joli set cadeau. Qui est du coup emballé dans un petit packaging sympa. Parfait du coup pour les fêtes, j'espère que ce ne sera pas trop tard. Ensuite, on a une nouvelle planche de stickers, ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas proposé, avec des girafes. Tout plein de girafes colorées. Trop mignonne. Ensuite, une nouveauté pour les rockstars, il s'agit d'une cuillère en forme de guitare, une cuillère en métal. Pas mal du tout, hein. Elle passe à la vaisselle. Ensuite, on a une trousse DLP, donc qui est pas mal du tout également comme cadeau, je trouve. C'est une trousse pour tout ce qui est câble, chargeur, clé USB, etc. Donc la vraie trousse pratique dont tout le monde a besoin. Elle est en PVC, donc facile à nettoyer. Et à l'intérieur, on a une doublure grise. Du coup, ça donne un produit bien fini. De la marque Derrière la Porte, la marque française, que vous connaissez bien maintenant, vu que ça fait déjà plusieurs fois que j'en propose sur la boutique. Ensuite, on a un organisateur semainier planning, du coup, de la marque américaine que je vous ai déjà montré plusieurs fois ces dernières semaines. Donc ça, c'est le dernier modèle que j'ai commandé.
Donc un organisateur, hein, comme ceux que j'ai déjà présentés, on retrouve l'esthétique de la marque avec les fleurs, le motif floral. Très sympa. Moi j'adore. Et une autre nouveauté que je trouve hyper sympa, surtout pour le début de l'année, là les bonnes résolutions, tout ça, c'est un sac de gym, un sac de sport avec un énorme hamburger. Voilà. Comme le sport, c'est toujours une des résolutions dans le top 3 en tout cas des listes de bonnes résolutions. Je me suis dit génial. Il est hyper grand, super grand. Et à l'intérieur, vous avez une super belle doublure. Hop, noire et blanche. Voilà. Trop sympa. C'est de la même marque que les sacs papillons, etc. Donc une marque anglaise. Qui fait que des beaux produits, il faut bien le dire. Voilà. Sac de gym hamburger. Ensuite, les deux dernières nouveautés de cette semaine, il s'agit de deux calendriers muraux. Donc je vous en avais parlé il y a déjà deux semaines, je crois, quand j'ai mis les calendriers de table. Donc ici, c'est bien des calendriers pour être fixés, accrochés au mur. Le premier de la marque Mr. Wonderful, que voici. Alors, je ne vais pas vous le déballer parce qu'il est emballé dans un film plastique. Et après, je ne peux pas remballer ces produits, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, je vous montre comme ça. Vous inquiétez pas, je prendrai les photos de chez Mr. Wonderful parce qu'ils font toujours de très belles photos pour que vous puissiez bien vous rendre compte du produit quand il est déballé. Donc forcément, chaque mois, on retrouve une phrase motivante de chez Mr. Wonderful, hein, leur petite marque de fabrique. Et on retrouve également 6 planches d'autocollants. Donc avec environ 120 autocollants qui vont pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir décorer votre calendrier tout au long de l'année. Voilà, très 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 chouette, hein, comme d'hab. Voilà. Un beau calendrier qui est assez grand. Mais pas aussi grand que celui que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de la marque américaine que j'ai un petit peu du mal à prononcer, donc je vais éviter. Que je vous présente toutes les semaines maintenant. Et d'ailleurs, c'est la même marque que l'organisateur que je viens juste de vous présenter. Hop ! Le calendrier 2017 mural, qui est tellement grand que j'ai du mal à passer avec sur la caméra. Voilà. Donc sur ce calendrier, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'esthétique donc de la marque avec les fleurs, que j'adore. Et on a un papier qui est comme un papier dessin, donc d'une grande qualité. Quand on va venir tourner cette première page, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve tous les mois de l'année, un motif floral au-dessus, comme ceci. On retrouve donc sur cette feuille le mois précédent, qui est noté là juste au-dessus, le mois suivant. Une partie, un petit, quelques lignes de notes et des cases qui sont assez grandes pour quand même mettre quelques annotations. Voilà, un très 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 beau calendrier mural qui est aussi très grand. Donc qui prend une belle place sur un mur. Et du coup, donc, comme je vous disais, chaque mois est évidemment différent avec une illustration qui lui est propre. Donc voilà, le mois de février. On va en faire quelques-uns. Le mois de mars. Le mois d'avril. Et des coquelicots. Bref, un vrai beau calendrier très chic. Je crois que c'est le mot. Voilà, et eh bien je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ces quelques petites nouveautés vous ont plu. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo des nouveautés de la semaine. En attendant, portez-vous bien, passez une très belle journée. Salut !